la frustration et l'incompréhension de se dire qu'on a eu tellement de possessions, on sentait tellement qu'on dominait cette équipe-là, et quand tu ne marques pas, et bien, tu ne gagnes pas les matchs. Et voilà. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, félicitations à l'équipe de France aussi, parce qu'ils sont accrochés, et bon, à la fin, ils ont marqué cet essai qui donne un écart un peu plus grand au score, qui ne reflète pas très honnêtement, je pense que vous partagerez cet avis avec moi, l'ensemble de match. Donc voilà, déçu parce que c'est compliqué de se dire qu'on a perdu un match comme ça avec autant de possessions et autant d'opportunités. Mon émotion, ce n'était pas pour mon dernier match de tournoi, c'était simplement pour la situation un peu de Leonardo Ghiraldini. De le voir comme ça après le match, c'était compliqué, c'était dur en tant que coéquipier, en tant qu'ami, pour tous les sacrifices qu'il fait pour cette équipe. Et bien évidemment, avec le match, avec la défaite, ça a rajouté des émotions un peu négatives. Donc je suis désolé, j'ai eu peut-être un peu un moment d'émotion, mais ce n'était pas pour mon dernier match. Je ne sais pas si c'est mon dernier, très probablement oui, mais on s'en fout. C'est simplement la déception de voir un coéquipier après le match comme ça.